Je patauge dans la flaque d'eau, si c'est pas marrant tout ça. Allez, bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers abonnés, chers viewers et chers farmers. Soyez les bienvenus aujourd'hui pour le 4e épisode, il me semble, sur Farming Simulator 2015. Donc j'espère que vous êtes ravis de retrouver un nouvel épisode, car aujourd'hui, les amis, nous allons tout simplement acheter des animaux. Et oui, le programme d'aujourd'hui, c'est acheter des animaux et essayer de s'en occuper. Car la dernière fois, si vous vous souvenez bien, on avait on avait passé la faucheuse. Voilà, j'ai cherché le mot, mais ça venait pas, hein. Voilà, enfin bref. Donc nous avons passé la faucheuse, nous avons fait un peu, je crois, de lance du sémoir, un petit peu, oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu de paille, hein, si on a peu de temps, et de nourrir les animaux. Donc avant toute chose, les amis, on va passer directement en mode boutique et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut s'acheter. Alors écoutez, je vais pas acheter de beaucoup parce que tout simplement je compte quand même garder un petit peu d'argent vu qu'on n'a que 8 511 €. Et à savoir que nous avons quand même plusieurs catégories d'animaux, nous avons quand même les petits veaux, nous avons les cochons, donc vous voyez c'est plutôt intéressant. Moi je suis plus tenté pour avoir les petits veaux, mais bon maintenant il faut voir après où est-ce qu'ils se trouvent exactement dans les champs, dans quel hangar ils se trouvent pour qu'on puisse les nourrir. Donc au lieu de faire trop compliqué, on va prendre plutôt des vaches, on va en prendre 3, comme ça nous sommes sûrs qu'on peut s'en occuper et elle nous rapportera un petit peu de manure, comme ça on pourra commencer un petit peu à épandre du manure sur les champs. Et oui, c'est des choses que je ne vous ai jamais dit, car je le savais, mais j'y pensais pas sur le coup, quoi, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez de prendre 2-3 cochons, pour le fun? Même si on sait que ça ne va pas trop nous rapporter grand-chose, à part les ramener à l'abattoir, voilà. C'est tout ce qui va nous servir, surtout qu'après il va nous falloir la remorque qui va avec. Et oui, parce qu'il nous faut une remorque spéciale pour les cochons. Si je vous montre, regardez un petit peu la remorque qu'il va nous falloir pour pouvoir récupérer les cochons. Alors, c'est des bennes, et je crois que dans les bennes, c'est des bennes spéciales. Oui, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est la Jotskin Betty Max à 19 500 qu'il va nous falloir. Bon, c'est vrai qu'on n'a encore pas les moyens, malheureusement, de pouvoir se la payer, parce que financièrement, nous avons plus que 861 €, donc ça va être très très dur. Mais bon, nous sommes pas sans rien non plus, hein. Voilà, on a un peu d'argent et on a un petit peu de trucs. Coucou Sid, voilà Sid 16, mon abonné le plus actif sur ma chaîne, ce qui me fait vraiment plaisir en tout cas. Alors, ça c'est quoi? C'est le cultivateur, ok, on en a pas besoin. Et les amis, je tiens à répondre quand même à un commentaire qui m'a pas dire déplu, en quelque sorte. Mais j'ai pas trop compris en fait le sens sur un certain point. Donc tout simplement, un commentaire qui m'a été laissé, je ne sais plus le pseudo, je pense qu'il se reconnaîtra dans cette vidéo, qui me dit, l'accéléré est vilain, en gros, mon accéléré est nul, et la musique est beaucoup trop forte. Alors, j'explique, pour ceux qui n'ont toujours pas compris quel est le but de l'accéléré, et aujourd'hui les amis, il n'y aura pas d'accéléré pour vous montrer un petit peu la différence entre quand je fais un accéléré et sans. Tout simplement, le but de l'accéléré, les amis, c'est très très simple. C'est tout simplement, si j'accélère les vidéos, c'est pour pouvoir gagner du temps sur le travail qu'on va pouvoir faire. Donc ça veut dire que le temps que je moissonne un champ, je fais sans accélérer, ça va me prendre à pratiquement 30-40 minutes. C'est même pas, on n'aura fait que ça dans une seule vidéo. Par contre, si on le fait en accéléré, je vais pouvoir le faire en 5 minutes en accéléré et faire après autre chose. Donc vous voyez, je peux faire deux fois, voire à trois fois plus de choses qu'à l'origine sans accélérer. Et ça, on s'en doute pas. Après, pour ce qui est de la musique, faire un accéléré sans musique, c'est dégueulasse. Après, si c'est qu'une question que le son est trop fort, vous savez, sur les casques, maintenant, ils ont intégré un petit truc qui est très intéressant, ce qui s'appelle une molette, ce qui permet de descendre le volume. C'est très simple. Vous descendez la molette en direction du bas, là où le volume se réduit, ce qui permet de descendre un peu le son de votre casque. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Voilà. Mais bon, je voulais mettre une pointe d'humour, mais c'était nul. Voilà. Non, franchement, il faut dire la vérité, les amis. Je peux comprendre que ça peut être déplaisant. Je peux comprendre tout ça. Donc, je vais faire comme ça déplaît. Et on verra bien si l'un d'entre vous, ça plaît ou pas. Voilà. Tout simplement. Et vous verrez, et vous allez constater par vous-même qu'on fera bien moins de choses. Voilà. Alors, on a acheté les animaux, donc c'est bon. Donc, il va nous falloir une remorque, je crois, qui se prête pour pouvoir commencer à charger la paille. Oui, donc il nous faut ça. Pas la paille, non, j'ai des conneries. La faucheuse. Ouais, qu'en plus, il y en a dedans. Donc, ça tombe bien. On a acheté des cochons et des vaches. Donc, on va pouvoir commencer à les nourrir.
Comme ça me permettrait de découvrir un petit peu le reste de cette map. Bon, c'est vrai qu'après, il faut avouer une chose que sur Farming, au jour d'aujourd'hui, quand vous commencez un let's play ou vous commencez ne serait-ce qu'une carrière suivie, on ne peut pas faire tout rapidement. Il n'est pas possible. C'est très clair. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, j'ai pas eu des commentaires, mais j'ai eu des sous-entendus, ouais, tout simplement, que ça n'allait pas assez vite. C'est quoi ça? Pourquoi? Ok, bon, non. Non, non, c'est pas ce qui m'intéresse, je voulais pas ouvrir la porte. D'accord. L'herbe n'est pas acceptée ici. Ok, alors où est-ce qu'on donne de l'herbe à ces vaches? Voilà, parce que je vous donne de l'herbe aux vaches, mais apparemment j'ai l'air de pas pouvoir rentrer dedans. Mais pourtant, normalement, ils ont un truc spécial pour eux, pour pouvoir les nourrir. Bon, écoutez, on verra bien, on va essayer de continuer sur le champ. Ouais. Alors là, par contre, je vois rien, malheureusement, je ne vois rien du tout. C'est affreux, c'est vraiment affreux. C'est catastrophique, même, je dirais. Voilà. Et oui, vous avez pu voir aussi que ce champ, je l'ai moissonné. Ah bon? Bah écoutez, si on peut rentrer, tant mieux. Je vais rentrer, je suis intrigué. Le mec, quand même, un vrai gosse. Je suis intrigué, hein, je veux rentrer dans le hangar et je veux voir ce que ça fait. Mais moi, ce que je veux, c'est les nourrir. Alors, où est-ce qu'il est le truc? L'abreuvoir. Voilà, l'abreuvoir, ou je sais plus comment on appelle ça, pour pouvoir les nourrir. Mais l'herbe est déjà tondue. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, attendez, il y a un truc chez Zippa. Comment on peut leur donner de l'herbe si on ne peut pas entrer dans le hangar? C'est un truc qui n'est pas logique. Faut que j'arrive à comprendre un petit peu là, parce que je dois être bête à mon avis. C'est pas possible autrement. Ils sont là. Donc automatiquement, les amis, si je ne me trompe pas, on peut rentrer par là. Oui. Alors, oh, voilà. Eh ben, c'était peut-être long hein, quand même. Hein. J'ai un peu miséré, mais j'y suis arrivé. Voilà, non, mais franchement, je comprends que des fois je suis catastrophique. Est-ce qu'on peut passer à travers les vaches? Juste pour essayer. Apparemment, oui. Ah, je te passe à travers la cocotte. Salut Marguerite, salut Joseph, Josette. Je n'ai rien contre les Marguerites et les Josettes, attention, hein, je tiens à le dire. Merci, portail, voilà. Nous, on va rentrer par là-bas. Voilà, l'entrée se fait là-bas. Donc, automatiquement, je devrais pouvoir rentrer là-bas. Oui. C'est ça. Super! Super, super. Non mais la porte s'ouvre pas! My god! Fais chier! Voilà. Merci. Ah, est-ce que ça rentre par contre? Ah, ça rentre pas! C'est quoi cette connerie? Non! C'est pas vrai? On peut pas? Ah, je suis au bout là. Ah, par contre, je suis désolé. Ah, là, par contre, je suis un peu déçu quand même de côté. Parce que j'ai pouvoir rentrer, moi, hein? Dans le... Eh ben non, on l'a dans le cul. Voilà, proprement dit. Voilà, je l'ai dans le baba. Je suis sûr qu'on peut rentrer. Je suis sûr. C'est à cause de ces branches là, sur le côté de la faucheuse, qui fait que ça coin. Comment? Ah, ça passera pas, les amis. Je suis désolé. Le truc est trop gros par rapport au. Ah, bon, je décharge. Je peux. C'est magnifique. J'ai miséré, mais je suis rentré. Alors, par contre, c'est vrai que leur donner que de l'herbe, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Je vous le dis franchement. Ça sert pas à grand chose. Ah, c'est quoi ce champ? C'est un champ à nous en plus? Ah oui, c'est un champ à nous. Donc ça, c'est cool. Hop là. Ouais. Alors, j'ai pas passé par contre. Voilà. J'ai fait un truc qui est dégueulasse. Ça, je suis encore désolé. C'est tout simplement que je passe à travers je passe à travers les champs. Du moins, je roule dans les champs. Et ça, je sais que ça ne plaît pas. Et bon. Voilà quoi. Des fois, je le fais pas exprès. Hein. C'est pas voulu. C'est pas vraiment pas voulu. Donc allez, on repasse le petit pont de bois. J'adore ce petit pont. Franchement, ils sont super sympas. Et on va aller ranger ce matériel complètement qui me rend dingue. J'allais dire à chier, mais non, il n'est pas à chier. Il est très très utile, bien au contraire. Il va nous servir pour beaucoup de choses. Pourquoi je fais ça? Mais je suis trop con, quoi. Je vais le mettre là. C'est pas possible, hein. Descends. Voilà. Non, mais c'est pas vrai, ça, hein. Il veut pas descendre, lui. Alors attendez, on va prendre alors. Le tracteur, voilà, vu qu'on a tout fait. Et puis, bah écoutez, je vous propose que je ne sais pas ce qu'on peut faire. Voilà, parce qu'il faut voir si le champ là-bas, est-ce qu'il est fané ou est-ce qu'il ne l'est pas. Ouais, alors par contre, je ne sais plus comment on fait exactement pour pouvoir savoir si le champ il est encore bon ou pas. C'est une question que je me pose. Bougez pas. F4? Non, 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 c'est pas F4, non.
Je sais plus. Ah, c'est une horreur. Ah, je sais plus. Ouais, je ne sais plus du tout. Ah, c'est échappe. Mais oh my god, le mec quand même qui sait pas ça. Hein. Voilà, c'était échappe tout simplement, c'est dans le menu. Ah là 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 là. C'est incroyable. Non, ce n'était pas là. Ah, c'était... Non, select, non. Non. Écoutez, je n'ai pas plus de... Non. Ah. Non. Voilà, je voulais pas quitter. Je fais des erreurs en plus. Alors non, ce n'est pas là. Alors, franchement, entre nous, je ne sais plus comment on fait pour accéder à la carte. Ah, ça me pose une colle. Non. Ah, c'est... Ah, c'était ça, non? Attendez. Ah, non? Ah, ok. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va prendre le tracteur, la moissonneuse du moins. Et on va aller voir là-bas directement. Comme ça, on verra bien si... il faut le faire ou pas. Allez, avec notre vieille moissonneuse toute daubée. Qui est très utile. Bon, c'est vrai que la vue intérieure est vraiment dégueulasse. Je le reconnais. Mais bon. Généralement, moi, je me sers pas de la vue intérieure. Donc, ça me gêne pas du tout. Bien au contraire, je m'en fous un petit peu. Complètement, même, je dirais. Bon, bien sûr, il y en a à qui ça plaît pas. C'est vrai. Mais bon, moi, ça me gêne pas. Donc, Il n'y a pas plus de dérangement que ça dans l'ensemble. Alors écoutez, je vais activer la barre de coupe. Et je vais faire... Et bah c'est parti, je vais essayer. Alors est-ce que ça moissonne quelque chose? Et bah apparemment non. Apparemment non. Donc écoutez, bah, je crois qu'on est résigné à prendre... Je pense qu'on est résigné à prendre le cultivateur pour pouvoir... ramasser tout ce qu'il y a. Bon bah écoutez, on va faire demi-tour directement au pire des cas. Vraiment dans le pire des cas. Et on va aller moissonner le champ. Le champ, le champ, le champ. Alors on va commencer à moissonner le champ 28. Si c'est possible de le faire ou pas. Ah bah non, le champ 28 c'est celui qui est vers notre ferme. Donc à mon avis non, il n'y aura peut-être pas lieu de le faire. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas qu'il y a lieu de le faire. Voilà, je crois que c'était champ puisque j'avais fait hors vidéo. Pour pouvoir avancer un petit peu. Mais apparemment, oui, il n'était pas à faire. Oui, donc c'est bien ce que je disais. Le champ 28 a été fait, quoi, tout simplement. Oui, je crois que c'est ça. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Le champ 28 a été fait. Est-ce que ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est intéressant, ça, ici. Regardez, il y a plein d'herbes. On aurait pu faire une bonne récolte. Après, bon, il n'y a pas besoin, parce que la mélangeuse totale, donc la machine qui permet de faire le mélange, automatiquement, est déjà pleine en herbe. Donc, on attaquera peut-être à faire de l'andin. Ouais, pourquoi pas faire de l'herbe et passer à la faneuse. Ouais, ça peut être sympa. Oui, c'est vrai que... Oui, donc, ça a été fait. Après, c'est vrai que j'ai pas passé le cultivateur ici. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va remonter jusqu'à la ferme, on va prendre le tracteur, le cultivateur, et on va cultiver donc les deux champs qui n'ont pas été faits, voilà, et après on verra si on a un peu de temps pour faire le reste, pour commencer un petit peu à semer. Bon, c'est vrai qu'il faut dire que pour le moment ça va être très répétitif, hein, vu que les animaux, pour le moment on n'a pas de quoi les nourrir, parce qu'il faut faire du blé, pour faire du blé il faut déjà semer, pour faire de la paille et donner à la mangeuse totale pour qu'on puisse après faire aussi du maïs. Et vice versa, il y a un tas de trucs à faire. Il y a de l'ensilage, il y a du blé, il y a des tas de matières qu'on va pouvoir se faire. Pas tout de suite parce qu'il faut pas aller trop vite non plus. Et puis moi je suis pas du genre à être super rapide dans les vidéos. Vous le savez bien que j'aime bien prendre mon temps dans ce genre de jeu là. Donc c'est vrai que il est plus sympathique de y aller tranquille, de jouer ça... gentiment, sans trop se précipiter, tout simplement, parce que si je vais trop vite dans ce que je fais, je vais dégoûter trop rapidement, et puis après je prendrai plus aucun plaisir à vous faire une série ou un truc comme ça, voilà. Donc déjà, comme vous avez pu voir, déjà je vous avais dit à peu près 2 épisodes par semaine, voire 3, oui, je les tiens pas, je peux pas les faire, parce que, bon déjà premièrement, j'avais pas l'envie, ça c'est clair, voilà, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas le temps, voilà, mais je pense qu'il y a plus du j'ai pas le temps que je n'ai pas l'envie, bien au-delà, voilà. On va la mettre là, c'est pas grave, elle gêne pas. Pour le moment, elle ne gêne pas. Et on va aller prendre donc le cultivateur avec le tracteur. Vu qu'on l'a loué, autant l'utiliser un maximum. Voilà, hein, parce que comme ça, au moins, on rentabilise un petit peu l'argent qu'on a perdu avec.
Parce qu'il faut bien récupérer un peu, faut rentabiliser le système, hein. C'est bien de louer du matériel, mais sans servir vraiment, c'est pas intéressant. Alors par contre, voilà, attaché. Merci, en vue intérieure avec mon super Lamborghini que j'aime beaucoup, franchement, il était très sympa. Allez. Donc, on va faire le champ, je crois, il y a le champ 28, oui c'est ça, donc c'est bien ça, c'est champ 28. Alors je vais essayer de pas rouler comme un dingue. Ce champ-là, oui, il sera à semer aussi. Par contre, ça, je suis en train d'y penser. Voilà. Alors, le champ 28, il faut remonter donc le long là-bas pour pouvoir aller le cultiver. Ah, par contre, oui, effectivement, il y a un champ qui n'a pas été fait. Et oui, mais oui. Alors, par contre, ça glisse un truc de dingue. Hein, c'est de la glissade à donf. Donc, on va prendre par cette route, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc là, on peut pas dire que je ne joue pas simulation en termes de route, parce que là, je ne roule pas dans les champs. Voilà, je suis très clair avec ça, parce que je sens que je suis capable de me prendre un dislike par rapport à ça. Et ça me ferait plutôt chier. Donc, allez, déplions donc ce foutu semoir. Pas semoir, oh là là. Ce foutu cultivateur, voilà. On va le baisser. Baisser! Voilà, merci. Et on va commencer à travailler. On commence à travailler. Donc, on commence à cultiver notre champ. Voilà, tranquillou. Hein, sympathiquement, gentiment. Voilà, je suis plein de gentiment et sympathiquement aujourd'hui. Faut pas vous en faire. Mais j'ai des jours comme ça où des fois, ben, je suis dans le tranquille. Donc, c'est vrai que je suis en train de penser que j'aurais pu louer un cultivateur beaucoup plus grand. Mais vu la taille des champs ici, il n'y a pas d'utilité d'utiliser, vous savez, des cultivateurs 50 mètres. Vous voyez, celui que j'avais avant. Il n'est pas utile. Trop grand, déjà pour commencer. Secondo, ça serait inutile, on ferait tout d'une seule passe. Bon, il n'y aurait vraiment plus d'intérêt à cultiver ou à moissonner un champ. Ou à semer un champ, excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'achète la moisson ici. Je l'en veux à la moisson. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas pris de gros cultivateurs. Je vais prendre peut-être un autre cultivateur quand on aura un peu plus d'argent. Mais là, actuellement, ce qui n'est pas possible. Donc. Constatez les amis que là je ne suis pas en accéléré, donc vous allez voir que je risque de faire beaucoup de blanc donc quand je parle, parce que quand je fais un truc qui est répétitif, je ne parle pas très beaucoup, parce que tout simplement j'ai pas de sujet particulier généralement à parler. Moi je parle plus de ce que je fais et de ce que je vois. Donc vous voyez, pendant un exemple, disons 20 minutes, je suis là, voilà, je cultive, j'ai pas déraciné cette branche, franchement. Excusez-moi, mais vraiment, c'est grave. C'est très grave. C'est critique. C'est dangereux. Non, mais. Pour dire que voilà. C'est un bon commentaire qui m'a été laissé. Que je prends en compte. Et que je fais passer. Et que je fais aussi ce qu'on me demande. Vous voyez, faut dire que quand. Personnellement, je débute dans YouTube, voilà. Hein, avec 240 abonnés. Pour moi, je débute. C'est même déjà pas mal pour moi, c'est même déjà énorme, parce que quand j'ai commencé, on a fait comme beaucoup de monde, j'ai commencé à zéro, ce qui est logique. Et donc, par la fruit de la vertu de la... Non, je dis que de la merde, je me tais. Non, mais voilà, par acharnement, on va dire, mais par plaisir et par passion de faire quelque chose, vous voyez, ben, on peut toujours aboutir à ce qu'on veut. Et c'est vrai que moi, chaque commentaire qu'on me laissera, qu'il soit négatif ou positif, je le prendrai en compte, parce que c'est très important de pouvoir contenter tout le monde. Bien sûr, il est difficile de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit contenté, parce que bon, si chacun me dit un truc différent de l'autre, ça va être difficile de pouvoir tout exécuter pour chacun. Donc, c'est vrai que je prends plus en global. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai une bonne générale qui me dit, voilà, ça comme ça, et une autre générale qui me dit ça comme ça. Je ferai dans la générale qui a plus de voix, tout simplement. Je pars du principe de celui qui a le plus de doigts, là où il y a le plus de doigts levés, ben on ira, on fera ce qu'il a dit. Voilà, non mais franchement, on n'est plus à l'école pour faire ça, mais ce que je veux dire, voilà quoi, je fonctionne comme ça. Maintenant, j'ai beaucoup de likes qui m'a fait énormément plaisir de voir que ces épisodes de farming sont très très suivis, très regardés, et ça fait vraiment plaisir quoi, ça donne du punch vraiment quand on fait une vidéo. Ça donne du punch. Ça montre que le travail qu'on fait quand même est un minimum
T'as minimum apprécié et c'est ça qui est bien. En fait, c'est une guise de remerciement pour le youtubeur qui fait la vidéo, qui fait son travail dessus. Surtout que, comme j'ai dit, je fais pas des montages de dingue. Vous voyez, je fais des montages très classiques, très simples, très rapides. Comme ça, la cadence de vidéo, ben, peut être assez stable. Donc, c'est vrai que j'ai réduit quand même pas mal la cadence des sorties de vidéos. C'était plus une par jour maintenant. J'essaie d'en sortir une tous les 2 jours au grand max. Quand j'ai le temps, vraiment, parce que bon, avec le travail, c'est difficile de pouvoir gérer planning travail et planning vidéo. Les deux sont un peu difficiles à avoir. Vous voyez, le travail, c'est plutôt très important. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, sans travail, on n'a pas. Donc, on ne touche. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Parce que pour avoir du travail, c'est très important. Et donc, si je ne travaillerais pas, je ne pense pas pouvoir acheter tout le matériel que j'ai au jour d'aujourd'hui. Voilà, je n'aurais pas tout ça. Et c'est vrai que d'un côté, je trouve ça plutôt très important. Et puis même dans la vie de tous les jours, quand on arrive à un moment, il faut se mettre à bosser. C'est plutôt très important aussi pour l'activité, un petit peu, d'être actif, de bouger. Parce que pour ma part, personnellement, rester planté comme une nouille pendant des heures et des heures sans rien faire, je ne peux pas. Il faut que je sois très actif. Après, tant d'autres, il y en a qui arrivent très bien à rester assis pendant des heures, cela ne dérange pas. Mais moi, personnellement, pour ma part à moi, je ne pourrais pas, je ne peux pas, du moins, rester assis pendant de très longues heures. Ça, c'est pas possible. Ne serait-ce que 3 heures au grand max, ça me va. Mais après, il faut que je me lève, il faut que je bouge, il faut que je fasse un va-et-vient à droite-gauche, mais il faut que je sorte. Il faut que je bouge, il faut que mes jambes, en fait, vous voyez, elles soient actives. Autrement, c'est mort. Je ne peux pas. Voilà, ça, c'est. Je suis actif, très actif. Actif, très actif, ok. Ça existe ce que je viens de dire, moi? Ça doit exister, à mon avis. Voilà, regardez les amis, donc on a plutôt bien avancé quand même. À 21 minutes de vidéo, on a fait 2 choses. On a acheté des animaux et on est en train de cultiver le champ. Donc c'est un bon point. Pour le moment, on avance bien. Voilà. Alors, celui-ci, on l'a fait, donc vous pouvez voir qu'on n'a rien oublié sur notre champ 28. Donc comme ça, pour le prochain épisode, on pourra commencer à le semer. Et on mettra du blé, par contre, hein, je tiens bien à le dire, ce sera du blé directement, comme ça on est sûr que ça ne sera pas oublié. Voilà. Alors attendez. Par où je vais sortir? Mais c'était où la sortie? Ah, j'ai une courte mémoire. Ah, ça c'est vrai que c'est un défaut chez moi, c'est que je me souviens mal de là où je suis rentré, là où je vais sortir, et vice-versa, vous voyez, c'est un peu. C'est un peu n'importe quoi. Bon, vu l'état du tracteur, il est un peu dégueulasse. Donc, on va le nettoyer aussi au passage. Voilà, comme ça sera tranquille. Et donc, on peut y aller. Alors, par contre, laissez-moi, est-ce que je le replie quand même un minimum pour pouvoir avancer plus facilement? Alors, attendez. Hop là, non, si je tourne là, non. Il faut aller au champ qui est là-bas. On va aller au champ qui est là-bas directement. Et on va voir si le champ qui n'était pas moissonné. Est-ce qu'on peut enlever tout ce qui est pas bon? Voilà, c'était celui-ci. Voilà, donc tout ce qui a fané. Et au moins, on aura. Au moins, enlever tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Allez, hop, on déplie ce, c'est moi. On le baisse. Et puis, on y va. Ah, par contre, la taille, elle a l'air pas petite, hein. Ouais, je pense pas qu'on aura tout le temps de tout faire. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout faire. Vraiment pas, hein. Bon après, je ferai ce que je peux. Bien sûr, vous le savez bien. Parce que trop long en épisode, c'est dégueulasse. Alors ouais, ça c'est bon, nickel. Donc c'est parfait. Donc les amis, je voulais vous parler aussi un petit peu des prochains trucs que je compte faire sur Euro Truck Simulator 2. Et en multiplayer. Tout simplement. Alors je compte. Organiser quelques petits convois donc sur le multi, sur le serveur Europe 1, selon la place que Rassi a pas de place pour sur le serveur Europe 1, on passera sur un autre serveur. Enfin bref, je compte organiser de petits convois de route, tout simplement d'un point A à un point B, ce qui est logique, ce qui c'est Euro Truck. Mais voilà, en toute tranquillité. Donc, ce qui veut dire que. Pas de bordel, du respect quand même entre les uns et les autres. On essaye de se respecter quand même un petit peu. Parce que si quand même tout le monde, j'ai, on va dire à peu près 5-6 personnes qui est là, ce qui n'est pas énorme, on va dire, mais pour moi c'est déjà pas mal. 5-6 personnes.
qui ne respectent pas l'un ou l'autre, c'est sûr que ça va pas être facile, ça va pas être terrible. Enfin, voilà quoi, c'était juste un petit bref aperçu de ce que je voulais vous dire sur ça. Et le champ, nous avons bien avancé, regardez quand même tout ce qu'on enlève. Bon, il a un peu qu'une le champ, je trouve, là, maintenant, hein. Il a plus aucune valeur. Pourquoi ça va pas cultiver, là-bas? Non, bah, ça cultive pas, là. Pourquoi? Il y a peut-être un relevage, non? C'est pas... Bon, peut-être. Donc, vous voyez, quand même, que je fais que de la merde. Regardez-moi ça, comment je fais ça. C'est dégueulasse. Que j'aurais pu tout enlever d'un seul trait. Bon, vous me direz, hein. Donc, ce champ, dans l'ensemble, il se débrouille plutôt... Il se fait assez rapidement, donc ça va dans l'ensemble. Ah, quoique, rapidement, c'est à vite dit, hein. C'est vite dit, parce que vu ce qu'il nous reste à faire, je pense pas qu'on aura vraiment le temps de le faire en complet. On verra bien. On va tester. Hein, je verrai bien si j'ai assez de temps ou pas. Mais, ça va être assez dur. Hop, voilà. Alors, je vais essayer de reprendre par là, comme ça. Hop, voilà, comme ça je ne perds pas trop le fil. J'ai fait un peu une manip là, vous savez quoi. Je sais pas comment je me suis débrouillé sur ce coup là. Mais bon. Donc ça va, heureusement qu'on a quand même le Lamborghini pour faire ça. Parce qu'imaginez-vous quand même avec le tracteur le plus bas de gamme. On aurait fait du 2 km/h. 2 km/h, c'est énorme. C'est même lent. Lent, trop lent. C'est même trop lent 2 km/h. Donc regardez, hop, on a fini déjà tous ces petits bouts là. Ah. J'ai essayé de pas rentrer dans l'eau quand même. Hein. Autrement, je risque de m'enfoncer vraiment et ça va pas le faire. Mais bon, ça va encore là dans l'ensemble. C'est plutôt cool. Donc, allez. Donc, les amis, pour savoir aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu une mise à jour donc, de Farming Simulator 2015. Apparemment, il y aurait une nouvelle possibilité sur les serveurs, il me semble, ou un truc dans ce genre, pour le multiplayer. Ça, c'est plutôt pas mal. Faut que je regarde un jour vraiment comment ça se déroule. Parce que oui, je compte refaire un petit peu de multijoueurs sur Farming. Mais ça, c'est une organisation aussi à avoir. Parce que je compte un petit peu changer sur la méthode du multi. Vous faire participer pour ceux qui veulent un jour participer avec moi en multi. Bien sûr, je demande quand même un minimum sur le multi de Farming. Hein. Si, avoir du multi, c'est bien. Mais faire travail quand même, demander. Voilà. Tout simplement. Ne pas foutre n'importe quoi, faire ça à la dégueulasse. Vous voyez, parce que moi, je veux bien faire des multis avec vous, avec beaucoup de monde qui veulent participer en vidéo avec moi. Mais si c'est pour foutre le bordel, ça ne m'en vaut pas d'intérêt de faire ça. Voilà, j'en ai fait l'expérience il y a bien longtemps et ça a été une catastrophe. Malgré que, pas malgré que, et fort heureusement qu'avec Seed16, ça se passe super bien. Vraiment super bien, très professionnel en termes de ce jeu, très simulation. Et sincèrement, ça se passe très très bien. Donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir de jouer en multijoueur avec Seed. C'est pour ça que je compte organiser d'autres multi avec Seed. Et l'un d'entre vous qui veulent participer, bien sûr, demandez-moi avant que je puisse des fois aussi voir si on peut se mettre en TeamSpeak. Ou alors je vous enverrai ça, ça sera fait directement par le chat du jeu. Mais bon, quoi qu'il en soit, je compte quand même jouer dans le respect pour tout le monde. Alors, on va relever ça. Voilà. Allez, hop. Et voilà. Regardez-moi cette belle ferme. Franchement, les textures sont magnifiques. Vraiment, elle était vraiment bien imaginée. J'avais bien... Vraiment, je m'imagine même pas le travail qui a été fait. Allez. Donc, on passe par là. Voilà, on va ranger donc... non, on va pas le ranger tout de suite, on va d'abord aller le laver. Et puis une fois qu'il sera lavé, on pourra commencer un petit peu à ranger le matériel. Et puis à se laisser là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, le quotidien de tous les jours, hein, on se laisse là pour aujourd'hui. Alors... voilà, non, c'est pas tuyau d'arrosage, hein, faut pas tout confondre. Voilà. Oh non, mais toi tu me saoules. Mais il est pénible ce machin. Voilà, bon, on va laver le tracteur, c'est pas grave. On passera de l'autre côté. Alors là, vous allez me dire que ça lave pas. Ça ne lave pas. C'est pas vrai. Si, ça lave. Ah, si, si, c'est bon, regardez, ça part. Donc, écoutez, dès qu'ils reprendront le tracteur comme ça, le magasin auquel on l'a loué, récupérer un tracteur tout neuf, tout propre. Ah, on en aura pris soin. Ah, on n'aura pas quand même comme des dégueulasses. Voilà, parce que
C'est bien beau de faire des jeux de simu, mais quand même un minimum. Mais en tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, je prends toujours autant de plaisir à vous les faire, ces épisodes. Donc c'est vrai que ça me gêne pas plus que ça, quoi. Allez. Donc si vous soyez d'un point A, d'un point là ou à l'autre point, ça lave pareil, hein. Je vous le dis, hein. Ça, c'est un truc qui me tue. Allez, voilà, le cultivateur est tout beau, tout neuf. Et je crois que c'est une occasion aussi, le cultive, il me semble, hein. Je crois, hein, il me semble, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois bien que oui, hein. Donc je sais même plus, je crois qu'on l'avait acheté, hein. Oui, je crois qu'on l'avait payé. Enfin, je regarde un jour si c'était acheté ou pas. Je me souviens même plus, c'est grave. Donc, alors le cultif, je sais qu'il va là-bas. Ça, c'est sûr. Il a sa place. Ça, c'est clair et précis. Voilà, on rentre. Tac-tac. Bon, pour le moment, c'est vrai qu'il gêne pas. Moi, il me gêne pas trop. Parce que bon, ben voilà quoi. Je m'en sors pas excessivement beaucoup. Alors, lui, par contre, on va le mettre là. Voilà, il va prendre sa place. Voilà, c'est ici sa place. Et puis moi, en attendant, les amis, je vous propose qu'on se laisse là pour aujourd'hui, qu'on se laisse là pour aujourd'hui. Voilà, parce que à chaque fois, je le fais. Et voilà, donc non. Donc j'espère que l'épisode sur Farming Simulator 2015, numéro 4, sur la map Vieille France, vous aura plu. Donc n'hésitez plus à venir me laisser vos likes, vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Moi, en tout cas, je vous remercie énormément de l'attention que vous avez portée à cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Salut à toutes et à tous, chers amis, chers abonnés, chers viewers et chers farmeurs. Tchuss!